Après les 80 ans fêtés l'an dernier par la station de ski Foncouvert-Plateau-Suire, c'est au tour du restaurant Le Chamois, situé sur le front de neige, de souffler ses 60 bougies. Dans la famille Adret, je voudrais le fils. James, aujourd'hui, c'est lui qui fait tourner la boutique. Moi, j'ai un petit peu passé la main donc, à mon fils. Voilà, donc maintenant, c'est lui qui dirige la manœuvre. Alors, on a deux anniversaires cette année qui sont importants pour nous. C'est bien sûr les 60 ans du restaurant, 1958, où Léon a posé la première pierre. Et puis également, l'anniversaire de mon papa, ça sera le 1er avril. Il aura 90 ans. Léon Adret est fondateur du Chamois, papa de James et grand-père de John. Il se souvient du tout début de la création du restaurant. J'étais moniteur de ski et donc en tournant ici comme moniteur, j'ai eu l'idée d'installer le Chamois. J'ai acheté le terrain, c'était difficile. C'était très difficile de trouver du terrain. J'ai trouvé du terrain. Et ensuite, avec ma pelle et ma pioche, je suis venu, j'ai fait les fondations. Et on a coulé le béton avec des copains. J'avais embauché des copains ce jour-là. On était une dizaine à brasser du béton pour couler les fondations du Chamois. Après, donc, le restaurant s'est développé. Donc il a fallu donc embaucher des cuisiniers pour faire à manger. Voilà, c'est ça. C'est des repas ordinaires, oui. Des repas, quelquefois c'était des pommes de terre, quelquefois c'était des pâtes, c'était. Voilà. Quelquefois c'était du riz. On faisait la cuisine ordinaire. Pour régaler la clientèle touristique, James ne manque pas d'imagination et de créativité. Cette année, un clip musical créé par Rémi Trouillant avec une chorégraphie de jeunes chamoisettes. Ils créent des choses, ils inventent des choses, ils ne restent pas toujours sur le même truc. Donc, la roue tourne et elle tourne bien. Voilà. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il régale la Toussuire depuis 1958. Il fêtera ses 60 ans en 2018. En plein cœur de la Savoie, dans un cadre atypique. Restaurant de montagne, restaurant bien sympathique. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Mal, on y fait tout péter. On met le feu dans la cheminée. Au Chamois, halte-là, on est servi comme des rois. Y'a du soleil et des nanas, c'est comme au Connemara. Le bon petit plat Savoyard. 60 années d'existence, un restaurant qui n'a pris aucune ride. Alors, pour l'avenir, comment ça va se passer? Bah, comment on voit les choses? J'espère en amélioration et surtout toujours un peu en respectant les codes qui sont les codes, hein, que la tradition exactement. Ouais, je la vois assez bien dans le domaine skiable de la station de la Toussuire. On peut encore progresser, aller plus haut en tout cas. Bien sûr, il y a toujours à faire, hein, que ce soit l'installation des canons à neige, de nouvelles pistes. Mais je pense que notre station et notre domaine peut encore progresser. Bien sûr, les commerces, on voit, hein, le front de neige est devenu magnifique sur la station de la Toussuire. Ce n'est pas le cas de quelques années. Donc les commerçants eux-mêmes investissent pour le bien-être des clients et la station également. Les pistes vont de plus en plus vite, on fait plus de queues comme à une époque et je pense que le domaine des cybelles a vraiment un bel avenir.